Bouteille d'eau et sucre en poudre. C'est quoi ça? La farine rouge. Les panzati. Du lait. Du machin comme ça. Alors, du café. Des biscuits. Je crois que j'ai fait le tour de mon stock. Ouais. Donc, il faut du café, du sel, du pain et de l'huile jaune. Draco qui tryhard Fofo. Tu vas finir par me dépasser encore. T'as testé les nouvelles maps Fall Guys, Draco? Alors, du sucre, de la farine rouge, du lait, des biscuits. Du sucre, de la farine rouge, du lait. Et des biscuits comme ça. Ah franchement, demande à Difab, elles sont bien les nouveautés, hein, pour une fois. On a bien rigolé.
Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Du PQ, du cleaning dish. Mais ça coûte 160 $ le cleaning dish. Oh, punaise. Merci Tagada pour le follow, bienvenue. Ben, y a une mise à jour, hein. Il y a la grosse mise à jour de l'arrivée des maps de survie. Alors, du PQ. Parfait. Alors des gâteaux, du chocolat et des céréales. Alors, de l'huile verte, du beurre de cacahuète et des spaghettis. Ouais, c'est pas mal, je crois que je vais en refaire ce soir. Surtout qu'il y a des maps que j'ai pas eu l'occasion de faire parce qu'à chaque fois que j'étais éliminée, chaque fois que j'étais éliminée, ça donnait une nouvelle map. J'étais deg. Oh, il y a une mise à jour sur Fall. Tu parles de quel jeu? Nous, on parle de Fall Guys. Alors, de la javel, du savon, du truc bleu. Ah oui, effectivement, faudrait que tu la fasses. Après, si tu joues pas pour l'instant. Tra, pour deux trucs de savon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Du comté, jus d'orange, yaourt, eau.
Alors, de l'eau. Voilà. Des yaourts, c'est seulement depuis que j'ai la licence, la deuxième fois que j'en rachète. Tellement c'est pas fort demandé des yaourts. Ok, j'ai acheté la nouvelle licence. Ok, le... Oh putain, le double réfrigérateur. Salut! Mais ils sont bien mes frigos, pas besoin de les basculer. J'aime bien comment ils sont mis comme ça. Ah oui, je vais direct mettre le prix. Oui, je reculerai peut-être un peu après. Je suis sûre qu'ils peuvent y arriver en plus.
Voilà, comme ça devrait être bon. Le PQ, je vais le mettre là. Alors, il nous faut de la mozzarella comme ça, du parmesan, des œufs. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore? Déjà, quand on arrive sur un live, on dit bonjour. Bon ben je pense qu'on est bon. On va pouvoir ouvrir. Franchement, notre magasin, il commence vraiment à avoir la... Ben là, il a plus rien dit. Ben ouais, si ça continue, faites-vous plaisir. Draco. Voilà. Ah ouais, elle a pris tout mon stock de parmesan, elle. Faut se calmer, hein. Je savais qu'elle allait venir me faire chier, la gueuse, elle avait une sale tronche.
Une fois aller faire le tour. Bon, mais ça va pour l'instant. Tout roule, comme on dit. Moi, je dis, il a de la gueule, ce magasin. Donc je vais devoir reprendre du lait. À moins que j'avais encore du lait. On va mettre du PQ. Je vais prendre un pack de lait. Mais c'est prévu, il y a des... Dans les trucs des employés, ils ont dit qu'ils allaient rajouter des gardes de sécurité et tout, donc c'est prévu dans le jeu. Parce que je suis sur le Discord du jeu, je suis pas mal quand même. Et puis c'est marqué quand tu lances le jeu, tout ce qui arrive, fruits, légumes, enfin il y a plein de choses qui arrivent encore. Putain, il pouvait pas aller emmerder un autre gueux. Tu le trouves quand tu ouvres le jeu? J'ai pas le lien là de suite. Ah ben voilà, Scorpio te l'a trouvé. Soda, œuf, gâteau.
plutôt spaghetti. Alors, on va un petit peu remplumer tout ça. Ah ouais, il n'y a personne qui a pris des pâtes. Ah. Chocolat, chocolat, du sucre. Eh ben, ça boude les pâtes hein, pour l'instant. Depuis qu'on a les nouveaux produits. Vas-y, j'arrive. Tu vas me déplumer le rayon direct. Ça va, toutou? Alors, il nous faut du café, du sel, du pain, de l'huile jaune. Ben, ça reste pas cher, hein, les pâtes. Nouilles, pâtes, riz. Ce soir, moi, je fais du riz avec mon plat. Avec mes boulettes maison. Et des petits pois. Parce que les petits pois, c'est la vie. Un jour, je vais changer en petits pois. Je vais me transformer en petit pois. Ça m'énerve quand les boîtes, il en reste un dedans, c'est chiant.
Ah d'ailleurs, j'ai mon horaire pour la semaine prochaine, il me semble que je vous l'ai pas encore dit. J'ai déjà eu mon horaire. Donc en gros, c'est les mêmes jours que cette semaine, mardi et dimanche, voilà. À peu près les mêmes heures, donc ça change rien pour vous. Des chocs à pic, des bons becs, du lait. Alors, du PQ cleaning dish. Fais péter les boîtes. Alors le PQ. J'ai pris deux boîtes de PQ. Bon bah, il semblait que j'avais pris qu'une boîte de PQ. Autant pour moi. Du miel pour l'instant, ça n'a pas du succès fou, mais comme ça au moins on en a. Du thon. Du parmigiano. Le parmigiano, c'est très bon. Miel Pops, c'est bzz. Attends, c'est du rouge, donc ça c'est plein, donc je peux mettre la boîte au-dessus. Le clair. Ça me fera une boîte en moins. Alors là, on a tout. Alors, du riz et du beurre de cacahuète. Bientôt, je vais mettre 3 heures à tout remplir, tu sais.
Oui, mais j'aime pas trop l'idée de la réserve parce que je la trouve trop loin. C'est plus simple de faire le chemin d'ici du magasin, sinon faut aller là, faut revenir, enfin je trouve ça long. Alors, du jus d'orange, du lait, du comté, des coca. Salut mangeur de yaourt, comment ça va? Bon, ben, je crois qu'on est bon, hein. Fait péter l'argent. Du savon, voilà, madame avait besoin du savon.
très bon choix, le thon. J'adore le thon, c'est trop bon le thon. Ah, on a fait le plein de spaghettis, très bon choix. Vive les pâtes. Je vais voir s'il reste du PQ, hein, parce que... Ah oui. Ah bah y a plus personne qui prend du PQ maintenant. Ils font chier, hein. Quand je fais plein de stocks de PQ, y a plus personne qui veut du PQ. Ah là là. Oh punaise! Faut que je regarde, je crois qu'il me reste plus beaucoup de sucre. Sugar. Nanana sugar. Let's have some sugar. De yaourt, c'est bon le yaourt. Ah bah ils ont toujours pas pris de PQ. Pas de lait non plus.
Oh, ils vont me faire le coup pour un jus d'orange encore. Là, il y a encore dedans, là aussi. Du PQ, ça c'était quoi? Des coca. Cleaning dish. Ok. Du beurre de cacahuètes. Ah, c'est pas du beurre de cacahuètes, ça? Ah non, c'est du miel. Du lait. Du sucre. Alors, des pâtes. Ah ben voilà. Les pâtes sont un peu parties. Du café. Du sel. Ok, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, on est plutôt pas mal. J'aime bien la façon dont mon magasin est, comment les étagères sont. Ça donne plutôt bien. Normalement, demain, on pourra acheter un nouveau gueux pour la caisse. Et probablement une prochaine licence aussi et un agrandissement parce que niveau argent, je pense qu'on peut dire qu'on se débrouille pas trop mal. Donc la prochaine licence, c'est du beurre, céréales, poulet, frites, pizza, sac de pommes de terre. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir donc un congélo. C'est combien un congélo? Congélateur 400 quand même. Et là, le prochain agrandissement, il coûte... Ah ouais, 2006 quand même. Ok. Non, c'est trop. J'ai encore de la place pour un congélo. Donc frites, pizza, ça va dans le congélateur, le poulet aussi, donc il me faut juste de la place pour des céréales, du beurre, ça ira dans le frigo, ça je pense. Et des pommes de terre, ça sera dans les rayons aussi. Genre j'ai encore de la place pour mettre une étagère ici. Et le congélateur, on peut le mettre genre quelque part ici.
Enfin, on verra bien comment je fais demain.